Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Forza Horizon 5, pardon, encore une fois pour mon nez, mais là je vous le dis, c'est les allergies. Et donc on va découvrir la nouvelle extension Rallye Adventure, oui je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Alors amigo, qu'est-ce qu'il y a sous la bâche? Est-ce que c'est la nouvelle voiture de Rami? Patience, Rami. Je te montrerai quand on y sera. Hé, te voilà, superstar. Monte dans le camion avec Alex et on y va. Eh bien, allons-y. Attendez, j'ai ma télé qui m'affiche un truc de mise à jour. Là, on s'en branle un peu. On est sur Xbox Series X, hein, je l'ai pas précisé. Bienvenue à Sierra Nueva. C'est l'heure de sortir notre véhicule de reconnaissance. 2 tonnes 5 de tout-terrain électrique avec suspension arrière indépendante. C'est celui d'Alejandra. Tu peux être sûr que ça va déboîter. Ah, on dirait que tout le monde s'active déjà. Allons-y! Ça y est, on joue direct. Je vous montre un peu. Je vous montre un peu la vue extérieure, mais moi, vous savez, je joue pas en vue extérieure. Ça me dérange un peu. Bon, on est sur Xbox Series X. Je vous l'ai dit juste avant, il me semble. Hop, voilà cette vue-là que j'aime bien aussi, celle-là. Pour mon nez, vous m'en voulez pas, mais je peux rien y faire. Je me suis mouché au maximum et tout, mais c'est des allergies. Donc là, pour le coup, je peux pas faire grand chose de plus là. Il va falloir que je reprenne les médicaments. Le printemps arrive, donc voilà. On va se découvrir cette extension gentiment. Il y a un avion qui va décoller au moment où je vais sauter. Est-ce qu'on va passer? Oui, c'est bon. Bon, c'est comme d'hab, c'est spectaculaire, mais voilà, faut pas chercher le réalisme. On va sûrement se faire une course à un moment donné un peu folle contre un véhicule qui a rien à voir avec les voitures, certainement. Parce que parfois on fait ça contre les avions, parfois on fait ça. Enfin, heureusement qu'il y avait personne assis aux tables. Focus. Donc on a 10 nouvelles voitures, je crois. Avec cette extension. Puisqu'on a... évidemment, c'est l'extension sur le rallye, donc on va avoir des voitures de rallye. Hein. Même s'il y avait déjà... L'Impreza, la Lancer, etc. Il y avait déjà des voitures. Hop, 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 fallait aller par là. Okay. Attendez. On va le refaire correctement. Normalement, le rembobinage, je l'utilise pas, mais... on va faire ça correctement. En éclaireur. Tu descends dans les cratères. Continue. Allez, boum! Oh putain, faut pas qu'on parte dans le mur. Dommage. On va avoir des étoiles certainement à la fin, quoique non, là c'est la course de reconnaissance. On voit que dalle avec le sable. Surtout, faut que je reste à peu près sur la route, quoi. Hop là!
Bon, ça fait plaisir cette extension quand même, parce que je vous avoue que la Hot Wheels, j'ai quand même pas mal joué, mais je l'ai pas terminé. Je pense que c'est trop décalé pour moi, c'est un peu comme le 4. Avec l'extension Lego, au final, déjà le 4, je l'ai moins aimé que les autres. J'ai moins aimé la map et tout. Et l'extension Lego, finalement, j'y ai presque pas joué. Autant le jeu de course Lego qui va sortir, comment il s'appelle ? Touquet Lego, quelque chose là. Le jeu de course. Celui-là m'intéresse. Autant me retrouver avec des Lego dans Forza Horizon, j'avoue que j'ai eu du mal. Et c'est un peu pareil avec Hot Wheels, même si c'est rigolo. Je vous avoue que c'est peut-être un peu trop décalé pour moi et je préfère les Fortune Island ou cette extension. Après, je comprends que ça puisse plaire à des gens. Oui, au fait, j'ai même pas coupé les radios, rien. Je m'en fous, je monétise pas mes vidéos. Donc je m'en tamponne complètement. On est bientôt arrivé au festival. Et boum! Rally Adventure, c'était bien ça, j'ai pas dit de conneries. Vous avez dû entendre le trophée en écho, puisque j'ai pas coupé le son de mon téléphone. Je viens de me rendre compte. Pas la peine d'en faire une grosse compétition. Bien, autrement vous auriez tous les deux des problèmes. Allez, petite cousine. Hé, hey, superstar, qu'est-ce t'en dis? On va commencer en douceur. Rends-toi à Devil's Pass. Alors, attendez. Ouais, ça c'est bien. On n'est pas obligé d'en faire une compétition, allez. Ah bon? Ça pourrait être quoi d'autre? On va continuer un petit peu, hein. On va se faire une petite course. Une ou deux, quand même. On va pas faire une vidéo trop longue, mais... histoire que je vous montre pas trop d'épreuves non plus, mais bon. Là, on n'a rien vu, ça fait même pas 10 minutes. Intermédiaire à chaque point de contrôle. Meilleurs sont tes temps, meilleure est ta position dans la course. Et il y a moi dans un hélicoptère, mais c'est plus un truc d'horizon. Je te lirai le roadbook depuis le ciel, alors écoute bien. Ouais, allez, on y va. Pour les biens de la vidéo, on va faire ça. Ouais. Puis après, moi, de mon côté, je verrai, je les enlèverai certainement, mais... pour que la vidéo se passe à peu près correctement, on va les laisser. Devil's Pass, une route d'asphalte rapide qui grimpe à travers les chicanes et qui redescend sur des ponts plus... 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. On va se remettre sur ma vue, la vue que j'utilise le plus. C'est celle-là, et après c'est la vue que j'avais mis juste avant. On va dire collé sur le haut du tableau de bord. Mais sinon, c'est cette vue capot que j'utilise le plus. Je ne joue jamais en vue extérieure. Je vous avoue que je vois des gens jouer à Gran Turismo, Forza Motorsport, à même Assetto Corsa en vue extérieure. Je connais des gens qui font ça. Je vous avoue que moi, je... Merde. Ah, le caillou. Je vous avoue que j'ai un peu de mal à saisir le truc, mais bon. Encore que dans un jeu plus arcade, bon. Je veux bien, mais des gens qui ont acheté Assetto Corsa pour jouer... pour jouer vue extérieure avec toutes les aides, la manette, le tout ça, bon. Je sais pas si c'est très agréable comme jeu de cette manière, jouer de cette manière-là. C'est d'ailleurs pour ça que moi je joue pas trop. J'ai pas mal joué à Gran Turismo 7 là, je l'ai fini et tout. J'attends beaucoup Forza Motorsport.
Mais Assetto Corsa, c'est... J'ai essayé le Competition quand même, mais... J'avoue que moi, je suis pas... j'ai pourtant un volant, mais... En plus, je l'ai essayé sur la PS5 qui fonctionne aussi très bien. Je vous avoue que moi, j'ai trouvé une position, installer le matos, voilà, se torturer avec le volant et tout, en fait, j'aime bien de temps en temps, mais c'est pas... C'est pas trop mon délire, j'avoue que... En plus, j'en vois qu'ils se prennent vraiment pour des pilotes pros et pour des kékés, là. Parce qu'il joue à Assetto Corsa au volant, mais mon pote va conduire une vraie voiture sur un vrai circuit et on va voir si ça fait autant le kéké, parce que la différence entre le jeu et le vrai circuit, c'est que dans le jeu, si tu te plantes, tout va bien. Dans la réalité, je vais être mal poli, hein, mais faut avoir les couilles de faire la même chose que dans un jeu. En sachant que si tu te rates, tu finis dans un mur et que le mur, ça fait mal à la tronche un peu. Moi, je suis pas de cette catégorie. Je vous avoue, j'aime bien jouer en détente. Mais j'attends bien Forza Motorsport, hein, effectivement. Le 7, ça commence à faire longtemps, là. D'ailleurs, j'y joue plus, hein. Je me suis mis sur Gran Turismo 7, mais après... Je l'ai bien saigné, et je l'ai bien aimé, mais j'avoue que... Il y a quand même des choses qui manquent par rapport à ce qu'on avait sur PS2 avec les Gran Turismo 3, Gran Turismo 4. Ils ont beau avoir refait un peu une carrière un peu plus complète, où ça ressemble plus à ce que c'était avant, c'est quand même le GT Café, c'est quand même pas la même chose que ce qu'on avait à l'époque. Mais j'ai quand même bien aimé le jeu. Il y a encore des mises à jour, il y a encore du suivi. Il y a des mises à jour, comme sur ce Forza Horizon d'ailleurs. Donc c'est cool de ce côté-là. Mais je vous avoue, ouais, j'attends quand même Forza Motorsport. Allez, on va faire la prochaine, puis on s'arrêtera là. Hop là. Ah oui, attendez, je veux juste regarder un truc. Je trouve qu'on peut pas dézoomer assez... Ouais, donc on est bien sur une autre carte. On est d'accord. Et vous voyez, pour une extension, ça fait quand même une carte encore assez grande, hein. Vous avez la carte du Mexique, vous avez la carte Hot Wheels, et vous avez cette carte-là, ça fait quand même... Ça fait quand même du contenu, ça fait des cartes, même juste pour se balader, des cartes assez grandes, quand vous voulez vous balader en ligne avec des potes et tout. Donc c'est plutôt cool. Ce qui est plutôt cool surtout, c'est que en fait, on a vraiment une nouvelle map à chaque... À chaque extension. Allez, on va faire ça. Pour déverrouiller cet avantage, ouais. Vous devez d'abord déverrouiller un avantage adversaire. Ah ouais, je sais. J'ai cliqué trop vite, c'est tout. T'énerve pas. Hop. C'est génial. Alex, Alejandra et mon pote Rami vont partir à la recherche d'un nouveau champion. On va faire cette course et puis je pense qu'on s'arrêtera là pour cette vidéo. Je pense que je peux le faire. Voilà le Hill Run Sprint. Des virages serrés avec beaucoup de gravier, des sauts, des creux et beaucoup de sections en dévers. Bon, je suis désolé pour mon nez vraiment. 3, 2, 1, c'est parti.
Allez. On va mettre des petits coups de frein à main. Et après, on se retrouvera dans quelques jours pour un jeu indé que j'ai reçu encore. C'est le studio qui me l'a envoyé, donc je les remercie. Ça sort le 6 avril, mais jusqu'au 31 mars, j'ai pas le droit de montrer quoi que ce soit. Bon, je vous ferai peut-être pas ça le 31 mars même. Hein. Parce que du coup, le 31 mars, c'est demain par rapport à quand je tourne cette vidéo-là. Je pense que je vais tourner la vidéo le 31, mais je vous la mettrai en ligne certainement le 1er, le 2. Ou peut-être, je vais attendre peut-être même lundi prochain. Donc on sera le 3, je crois. Comme ça, je me garde vraiment mon week-end, parce que c'est pour les fans de catch. Week-end, c'est week-end à WrestleMania quand même. Donc, je vais vous tourner cette prochaine vidéo demain. Et je vous la mettrai en ligne début de semaine prochaine. Ça vous laissera quelques jours avant la sortie du jeu. Bon, c'est plutôt cool, moi j'aime bien ce genre de course là. Même s'il y avait déjà des courses avec des parties sur terre et tout ça, sur le jeu classique. Hein. Vu qu'on était au Mexique, mais... Mais je trouve ça cool. J'ai payé 17€ cette extension, puisque j'ai le Game Pass, donc... les extensions sont moins chères. Une petite réduction, donc c'est pas négligeable. 17 balles, franchement, ça va. Surtout que celle de Hot Wheels, c'est pareil, je n'avais pas payé le prix fort. Et j'ai pas acheté le jeu de base, puisqu'il est dans le Game Pass. Donc c'est plutôt cool. C'est quand même un jeu visuellement qui est plutôt pas mal. Il n'y a pas non plus un écart monstrueux avec le 4, mais... Mais c'est pas mal. Surtout que le 4, en plus, il a été patché pour la série X. On va s'arrêter là-dessus, je pense. Hein. Je vous laisse profiter de la musique aussi. Bon, on va pas faire cette... On va pas faire cette troisième course. On va s'arrêter là-dessus. Écoute, tout le monde aime les courses de rue et les journées sur piste. Tout ce que je dis, c'est que rien ne vaut l'extérieur. Elle est sympa, cette... Cette focus. Écoutez... On va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.